Comment ne pas l'en féliciter? L'honorable Moumingi, un grand écrivain et un grand penseur de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Et... Pour moi, c'est l'amour du travail. Sérieux, à la limite contagieuse. Il suscite l'enthousiasme de son équipe. Je n'ai jamais vu Didier s'énerver ou hausser le ton. Mais il tient son monde. Il est très humain. Beaucoup d'empathie. Et je peux dire aussi, dans tout ça, Didier, c'est vrai, c'est sérieux, il fait travailler, mais il a énormément de pudeur. Et ça, c'est une des qualités aussi de Didier. Merci donc l'auteur, qui est un grand auteur, non seulement dans l'écriture, mais aussi dans la réflexion. Agobunda, on a 50 millions de Congolais. Le sondage à Kinshasa le désignait Moumengi, à la fois comme le ministre de Laurent Kabila qui a joué le rôle le plus appréciable les premières années de l'agression, comme l'homme politique ayant la meilleure opinion au pays après le chef de l'État, et les Congolais, où qu'ils se trouvent, voient en lui, en Didier Moumengi, ces politiciens qui, par sa largeur de vue sur les questions touchant à la souveraineté du pays et à son intégrité territoriale, dans le contexte pénible de l'occupation étrangère, personne qui peut devenir un jour l'homme clé de la République démocratique du Congo. Et un homme comme Didier est très important dans ce combat-là. Et je sais que Didier, ce n'est pas un homme qui s'est fait amadouer par quelques miettes ou quelques galettes qu'on peut donner. Ce n'est pas un homme qui peut vendre son pays contre des palliatifs à court terme. Non, c'est un homme de conviction, mais qu'il reste lui-même. Je n'ai pas à vous rappeler ici tout ce qu'il a fait pour quand le pays fut attaqué par des hordes extérieures, et comment il a tenu debout, et comment il a honoré la promesse faite à Mouzé, et j'en suis fier.